Nous sommes en mars 2007, à la fin du mois de mars 2007. Ce sont deux semaines durant lesquelles les informations nous parviennent sur la possibilité que la Syrie construit un réacteur nucléaire à proximité de la frontière israélienne, à 650 mètres de la frontière. Mais c'est une région qui est dangereuse pour Israël. Le chef du Mossad vient me voir, Meir Dagan. Il me montre les images satellites que les gens du Mossad ont réussi à se procurer lors d'une de leurs opérations à l'étranger. Et sur ces images, nous voyons évidemment l'installation qui ressemble à une ferme agricole plutôt simple, qui ne paye pas de mine. Et l'on voit aussi les images d'employés nord-coréens. Évidemment que cette image-là, des employés nord-coréens, c'est l'image la plus compromettante. C'est l'image qui nous fait comprendre qu'il ne s'agit pas de culture de laitue, hein, mais d'un sujet beaucoup plus complexe que cela.